Voilà, Tim, je vais m'inscrire au tournoi à 1000 euros. Il y a 154 000 euros à la gagne. Je vais tenter ma chance, les amis. Le tournoi de toute une vie. Voilà. Yes ? Le tournoi. Le tournoi. À 1000 euros, 1100. 1100. Le 1100. Il y a 3100 maintenant. Ah, merde. C'est Texas Hold'em. Non, non, le, à 19h. Ça commence à 19h. Alors, ce n'est pas Texas Hold'em, c'est Shorty. Ah, ben 20h alors. À 20h, c'est satellite. Merde, 14h alors. Hein. 14h, c'est le Free South. C'est quoi? Free South. Free South? What is Free South? Only one time. Seulement une fois. Ne pouvez pas. Pas de rocard. Super. Au oh, Texas Hold'em. Oui, oui, oui. Ok, ok. C'est l'entrée, ça? Oui. Je ticket? Gracias. Je rentre en retard, les amis. C'est parti, les amis. Comme je vous dis, les amis, voilà, j'ai le démon, j'ai la haine. Je suis rentré avec 1000 euros, le tournoi il a commencé à 14h. Dégoûté, voilà. Je suis rentré avec une paire de 6, le mec As-Dame, à la turn, à la rivière, il touche un As. Toute l'histoire de ma vie, je suis une merde. Toute ma vie, depuis que j'ai l'âge de 14 ans, je rêvais de me faire un tournoi. C'était le rêve de ma vie, voilà. J'ai tenu 3 minutes. Même à la baise, je tiens plus. Oula. Oula, incroyable. Incroyable. Je suis dépité. Oula, je suis dépité. Je suis déçu, les amis. Oula, je suis déçu. C'était un rêve de gosse. Oula, c'était un rêve de gosse. Et là, je me retrouve bolos. Oula. 1000 euros, j'ai pris mes écouteurs, j'ai pas les mots, voilà. J'aurais dû aller aux putes. Qu'est-ce que j'ai fait, les amis? T'es une grosse pute, Momo. Je te chie à la gueule, espèce de putain de loser, va. T'es arrivé dernier, t'as tenu 2 minutes, espèce de grosse merde humide. T'es qu'une grosse coquine. You are a pute, voilà. You are grosse... You are a pute. The big pute of the world is you. Is you. Les amis, voilà, ce tournoi, c'était un rêve de gosse. Si vous avez des rêves et vous y croyez vraiment, laissez tomber. Ça marchera jamais, perdez pas votre temps. Voilà, les amis, c'est vrai. Putain, mais je suis nul. Nul. Espèce de pute. C'est quoi, ça moi que tu parles? Ouais, grosse pute. Viens, viens. Aïe. Ouais, j'étais là à Barcelone. Je gagne mes petites courses de chien, mes petits pokers de temps en temps. Et j'écoutais les gens, ouais, Moumou, ouais, de vos grand-mères un peu, laissez-moi tranquille. Tout seul, je suis bien, oh là, je vois. Ce qui m'énerve, c'est qu'à la base, je suis un génie au poker. Oh là, les amis, je voulais faire un vrai tournoi, vraiment tenter ma chance. Et là, c'est pas un vrai tournoi, je suis rentré avec 4 jetons. 4 jetons, c'est comme si tu vois un boxeur, tu lui dis, vas-y, va te battre.
Il a les deux poignets cassés. Il peut rien faire, c'est pareil. Je suis un homme brisé. Voilà ce que je suis, un homme brisé. La vie de ma... Je veux pas faire le mauvais joueur, le mauvais gagnant, le mauvais perdant. Mais j'aurais su que le tournoi commence à 14h. Jamais je l'aurais fait. Je suis rentré avec 4 jetons. Ils avaient tous des piles incroyables. Oh là, ils avaient des gratte-ciel devant eux. Leur grand-mère, les piles, qui joue à pile ou face. Bon, de toute façon, je suis enrhumé comme un bâtard encore. Le débrief, je vous l'enverrai demain, Inch'Allah, si ça va mieux, les amis. Je vais me bombarder de médicaments et je vais dormir. Voilà, les amis. C'est tout ce qui me reste à faire, dormir. Bon. Là, pour le coup, je suis vraiment un chien. Un vrai chien de la casse. Je suis un chien, j'ai plein de roues. Là. Wouf, wouf. Wouf. Wouf, wouf. 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 Bon la team, regardez mes contours de merde. Regardez cette coupe de merde les amis. Voilà, c'est une coupe de la ligue. Elle est horrible. Je vais vous conseiller un vrai barbershop. Les amis, le meilleur barbershop de France. Tu veux choper de la meuf? Faut que tu ailles au barbershop. Marac House, le barber sur Paname les amis. La vie de ma mère. Tu veux pécho des madames? Va au barbershop sur Paname. Marac House. En plus, il y a mon coiffeur que je kiffe là-bas. Le petit blond. Voilà, le Griezmann de Wish. Coiffeur de Marac House, c'est mon bébé, les amis. Voilà, je le kiffe. Jeune, talentueux, il a coupé plein de stars. Il m'a jamais loupé, les amis. Je vous le conseille vraiment. C'est plus Marac House, c'est Mickey Mouse. Allez-y dans leur barbershop à Paname, les amis. Vous allez voir, c'est Mickey Mouse. C'est Disneyland là-bas. La vie de ma mère, il y a plein de jeux. Il y a des jeux vidéo, il y a le café, tu peux boire un coup, c'est incroyable. Le concept, il est incroyable, les amis. Et en plus, il n'y a pas d'attente. Ça, c'est incroyable, c'est du jamais vu. Tout le temps, les coiffeurs, tu y vas, faut poser une journée de congé pour aller au coiffeur. Allez dans ce barbershop, c'est fast and furious. C'est super rapide et il coupe bien, les amis. Rien à voir avec les coiffeurs espagnols. En fait, les amis, à la base, le coiffeur que je kiffe, là, le petit blond qui est à Marac House, à la base, il venait me couper à domicile dans les hôtels à Paname. Quand j'étais à Paris, il venait me couper à domicile. Et il y a quelques mois, je vous ai snappé quand j'étais dans leur barbershop, les amis. Je vais vous montrer sa photo. C'est un super barbershop pour choper de la meuf, les amis. Ces petits secrets, c'est qu'on dit pas tout aux collègues. Je vois qu'il y a du biceps, terrorisme. Easy, BGP branché, la nozo est quadrillé. C'est un. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste. Et je paye tout avec une pub. Je suis au Fouquet, à Snapchat, à Slandus, à Rolex, à Ferrari, à Lambda. Il est là, tu as bien l'air, toi.